Et salut à tous les amis, aujourd'hui on ouvre des petits boosters évolution. Donc j'en ai pris 3 de Raichu et 2 de Mega Dracaufeu pour voir un petit peu. Il fallait que j'en prenne 3 de Mega Dracaufeu, mais j'en ai pas trouvé. Donc du coup, on va partir sur ça. C'est parti! Et grâce à la magie du montage, nous revoici! Alors là, dans ma main gauche, à ma gauche, j'ai envie de dire. Faisant à peu près, je ne sais plus combien épaisse, mais c'est pas grave. Étant d'évolution de Pikachu, j'ai 3 boosters de Raichu d'évolution. À ma droite, étant la troisième évolution de Salamèche, donc du coup là c'est la méga évolution, donc la méga évolution avec la méga gemme, les amis, j'ai Dracaufeu. Donc au départ, je devais prendre 3 boosters Dracaufeu, 3 boosters de Raichu pour essayer de faire des petits stats, pour essayer de faire quelque chose de bien, de carré, tout ça. Sauf que ça n'a pas pu se faire parce que j'avais qu'il restait que 2 Dracaufeu. Donc du coup, ça part sur 3 Raichu et sur 2 Dracaufeu. En espérant, voilà, que c'est... du coup, c'est tout effaucé, donc voilà, je suis un peu dégoûté. Donc on va ouvrir les 3 à la suite et après les 2 à la suite de Dracaufeu. Et puis c'est parti tout de suite. On annonce le match. Raichu Dracaufeu contre Mega Dracaufeu. Hop. Alors, il me semble que c'est ça. Alors, c'est des boosters que j'ai achetés dans les paquets qui étaient emballés donc sous un blister plastique et tout ça. Enfin, c'est les paquets qu'on trouve à l'unité. Donc, on a. Hop, si vous voulez faire le focus. Genos, Onyx. Doramal, Titar, une potion, le Pokédex, Tetart, Soporifique en reverse, et Dracaufeu en holo. Ça commence fort. Il me semble que c'est mon deuxième Dracaufeu en holo. Donc pour l'instant, une holo pour Raichu. Hop, et on repart sur du Sabalette. Coup de X. Doramal, Caninos, encore une fois, je passe vite. Ratata, le prochain. Ah, Reptincelle que je n'avais pas. Qui me manquait. Donc, je vous laisse admirer cette superbe illustration. Et on peut dire qu'à l'époque, voilà. Mais je trouve ça très très bien de les avoir retirés. Donc, Francfort, une fois. Ah, Caninos en reverse. Et Nidoking en holo. Que j'avais, je m'en souviens, je l'avais celle-là avant. J'ai malheureusement tout perdu, comme 80% des gens que je connais, et de ma génération. Mais voilà, ça fait plaisir d'en retrouver. Donc pour l'instant, 2 holos pour Raichu. 2 holos et 2 rivers. Hop. Oups, j'ai oublié le suspense. Le suspense qui nous tient dessus, qui nous tient tous. Pour l'instant, il y a balle au centre. Non, je rigole, il n'y a pas balle au centre du tout. C'est une victoire écrasante pour Raichu, j'ai envie de dire. On part sur un Aspico et maintenant suivi d'Amachoke, suivi de Pikachu, Jungle, Magnéti, Ponyta, la Vaillance de Pierre, Pierre qui me manquait, je ne l'avais pas. La Super Potion non plus, tiens, je l'avais pas. Nidorino, ça tombe bien, je vais pouvoir faire mon. Voilà. Porygon en reverse que j'avais déjà eu, mais bon, qui est quand même magnifique. Et Lavantine en rare que j'avais déjà, il me semble. Donc ça en fait 2 holos et 3 reverse pour Raichu. Donc maintenant on va s'attaquer Mega Dracaufeu. Non, ça va. Non, ça va pas. Pas de galère sur celui-là. Parti. 1, 2, 3. 1, 2. Toi-même, tu sais. Hop. Petit focus des familles, s'il te plaît. Ou pas. Tu peux focus sur Goopix. Voilà, merci. Voilà, comme ça, vous voyez bien. Goopix. Hop. Une énergie. Magikarp. Avec Fuyo. L'Aspico, encore une fois. L'Electek. Smogo,
ceux qui ont eu ces cartes, ça doit leur rappeler des petits souvenirs. Enfin, moi, ça me rappelle en tout cas l'échange. Petit crise d'acier. Parce que c'est exactement ça. L'aspico en reverse. Électrode. Électrode sous acide, très probablement. Hop. Donc pour l'instant, enfin pas de l'eau quoi, une reverse, pas de l'eau. Pour le feu. Et sur le dernier, le Raichu, voilà, une reverse, pas de l'eau. Le papier du booster, mais bon. Et ok, on repart. On repart sur du Machoke. Kaninos. Olix. Nidoromel. Titar. Total Soin. Machoper. L'échange. Pierre en reverse. Et... Putain, mais c'est une blague. Électrode, encore une fois. Ça me rappelle mes parties de Pokémon Go, tiens. À chaque fois que je tombe sur des Voltorb ou des Electrode. Donc pour résumer. Dans Raichu, on a eu ça. Deux holo, une rare. Et trois reverse. C'est bien focus. Un petit peu. S'il te plaît. Non, c'est un peu, c'est pas grave. Je vais montrer les reverse parce que je les trouve super belles et que voilà. Je trouve que c'est vraiment simple. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a rien, mais c'est super beau. Quoi. Donc ça, c'était pour la partie Raichu. Pour la partie Dracaufeu, bah, on a eu ça. Voilà, super. Et on a eu quand même deux reverse. Aspico et le dresseur Pierre. Et encore une fois, je trouve que les rivers sont super belles. Hop. Donc, pour conclure, faut-il mieux acheter des Raichu? Bien, je ne sais pas. Apparemment, oui. Mais après, tout dépend de la série dans laquelle il était édité. Moi, j'ai dit que je prendrais tous les Raichu qui sont sortis. Voilà, donc j'ai pris ça. Je suivrai avec les Dracaufeu. Sauf que la dernière fois, dans le Dracaufeu, j'ai aussi eu des bonnes choses. En fait, vous tombez sur une certaine série de Raichu ou de Dracaufeu et vous tomberez sur des bonnes choses. Personnellement, sur Tortank, j'ai jamais eu quelque chose de bien, c'était pas ouf. Et sur Bulbizarre, j'ai eu quelques cartes pas mal. Mais c'était pas non plus, c'était moins fort que, voilà, que chez Raichu, par exemple. En tout cas, c'est ma deuxième Dracaufeu holo, ça j'en suis super content. Je sais pas ce que je vais en faire, je vais sûrement l'échanger contre une autre carte que j'ai pas. Et voilà, donc c'était une ouverture un petit peu de test, un test qui a foiré malheureusement, parce que je n'ai pas pu avoir 3 boosters, j'aurais bien aimé faire 3 et 3. Donc du coup, ça n'a pas été le cas, c'est bien dommage. Sur ce, moi, je vais vous laisser, hein. Il est temps de classer tout ça, déjà, dans un premier temps. Je vous avais montré mon portfolio, il est en train de se remplir petit à petit. En attendant, vous pouvez vous inscrire quelque part par là, vous abonner pour avoir un petit peu les news de la chaîne, tout ça. Si vous avez aimé, laissez un petit pouce vers le haut. Ça aide à faire connaître un petit peu la chaîne, ça m'aide aussi, voilà. J'aime bien partager. Les commentaires, toujours pareil, hein. Je vois qu'il y a des gens qui ont commenté par rapport aux cartes, tout ça. Donc il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien échanger tout ça avec les gens. Et voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Et portez-vous bien d'ici là. Ciao tout le monde.